Bonjour et compagnie, je vous retrouve donc pour un nouvel épisode de Chercheuse de rêve. Alors, dans cet épisode, je vais vous présenter une ville 100% naturelle, voilà comme le dit le titre. Donc, qu'est-ce que j'entends par 100% naturelle? Donc déjà, ça c'est pas vraiment à quoi j'avais pensé, mais... ce à quoi j'avais pensé, mais cette ville n'est pas hackée, donc voilà, c'est déjà un point très fort. Puisque la personne, elle s'est donnée à fond pour faire cette ville, je pense, vu le résultat, je pense. Cette ville, en fait, vous avez que de la végétation, que des fleurs, que de la verdure, que des arbres, de tout ça, voilà. Vous avez que ça. Du coup, personnellement, si je dois vous illustrer cette ville, c'est un immense jardin, en fait. C'est, voilà, c'est un jardin qui fait toute la ville, voilà, même les maisons... sont des jardins, disons, enfin de ce que j'ai vu sur les photos. Après, je ne sais pas, j'ai pas visité les maisons encore. Donc, si on admire le drapeau, on voit quand même que ça respecte le thème. Donc, c'est une plante, voilà, c'est une fleur. Après, les bords, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, c'est pour faire joli, hein, je suppose. Alors, avant de commencer la visite, je tiens à m'excuser pour la luminosité qui est assez forte dans la gare. Pourquoi j'ai mis fort? Parce qu'en fait, il fait nuit. Du coup, j'ai dû augmenter la luminosité de ma console. Sinon, vous alliez rien voir. Du coup, c'est pour ça que c'est très très blanc ici, que je suis toute palote. Voilà. Allez, on sort. Voilà. Donc, j'espère que c'est mieux pour vos yeux. Alors, je ne vous mentais pas. Vous voyez qu'il y a franchement du vert partout. Voilà, voilà. Il y a de l'eau, il y a tout ce que vous voulez. Donc après, je ne sais pas, enfin, s'il y a un thème vraiment précis pour la ville, puisque là, je vois des trucs un petit peu zen. Puis l'ambiance est quand même zen, hein, vu la musique, c'était mis en pleine nuit, voilà, ça peut porter à confusion. Pour ma part, je pense que c'est plutôt la nature. Voilà. Donc, il y a des petits trucs. Oui, je pense quand même que c'est peut-être asiatique, hein. Il me semble, hein. Il n'y a rien de ce côté, ok, je suis obligée de prendre ça, même si c'est des... Ouais, bon, ok. On va faire avec. Voilà. Tennis coloré, ok. Bon, je vais prendre tout, je vais voir ce que j'ai. Hein. Voilà. Alors, je porte ça, je porte ça, je porte ça. Je ne veux pas de mon couvre-chef. Alors, j'ai le choix, en fait, entre un moulin mauve, un cierge magique et un lance-bubule. Donc déjà je vais prendre le cierge et je vais l'utiliser, comme ça c'est fait. Ta 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 ta. Magie. J'ai jamais trop compris à quoi ça servait, juste à faire des petits pétards comme ça, mais enfin bon, c'est... voilà quoi. Du coup il est parti. Bon, je vais faire le moulin parce que le lance-bulle t'as besoin d'appuyer sur A alors que le moulin ça marche tout seul. Voilà, c'est mieux. Donc commençons la visite. Alors j'avais fait un rapide petit tour, hein, et franchement j'avais vraiment surkiffé. Du coup là il y a une taupière cube, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Les sols, je les adore, ça fait naturel à souhait, j'aime beaucoup beaucoup. Alors de ce que j'ai vu, les habitants n'ont pas trop détruit les routes, ou alors la personne s'est vraiment bien butée pour refaire les chemins, mais enfin bon, c'est super beau. Ce coin-là, franchement, je l'adore. Je pense que je vais l'utiliser peut-être pour la miniature, je ne sais pas, je vais faire un truc un peu... je sais pas. À l'heure où je vous le dis là dans la vidéo, je ne sais pas encore ce que va être la miniature. Mais je tiens à dire déjà que j'adore ce passage, parce que moi je pense que je pourrais faire ça dans ma ville, parce que je cherchais des travaux à faire et je pense que là ça m'a donné envie. C'est en fait de coller la route à la rivière, parce qu'on a tendance, enfin moi personnellement j'ai tendance à ne rien coller à la rivière et à mettre genre buissons, fleurs et tout, pour pas justement faire le collage. Mais au final je trouve que ça rend super bien, donc peut-être que je le ferai. Honnêtement, ça m'a donné envie. Là, par contre, je vais pas coller aux falaises parce que ça fait pas trop. Après, là, on a plein de fleurs, plein. Oh là là, mais c'est le paradis ici. C'est tellement beau. Les fleurs blanches, en plus, ça fait ressortir vu qu'il fait nuit. C'est trop, trop beau. Non, je voulais pas m'asseoir. Je voulais juste passer. Merci. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais voilà. Moi, j'adore. Arrêtons. Je venais d'en haut. Non, en fait, non. Là, c'est l'autre partie. Ok. Je suis perdue. Je suis perdue.
Oh là là! C'est magnifique! Je vais pleurer! Bon, ces sols-là, je les avais déjà vus, hein. Il y a beaucoup de mes abonnés, voilà. Peut-être parmi vous, vous vous reconnaîtrez, hein. Il y en a beaucoup qui ont pris ce truc de passerelle, là, ou je sais pas quoi, les trucs en bois. Alors, je vais peut-être enlever mon stylet parce que ça me gêne. Il y a un petit perso, mais je pense que c'est pas vraiment nécessaire d'aller lui parler parce qu'elle est japonaise, donc je vais rien comprendre, c'est pas la peine. Je sais pas trop ce que c'est cette maison, mais ça fait un peu peur. Alors, le prochain chercheuse de rêve, ça ne sera pas une ville japonaise normalement. Voilà, ça ne sera pas une ville japonaise. Parce que oui, je l'ai déjà, mais j'ai pas encore tourné. Enfin, je pense pas pouvoir le faire aujourd'hui, du coup, c'est pour ça que je vous le dis là. Mais du coup, attendez, je suis pas passée ici! Je suis passée juste à côté, j'ai pas vu ça. Mais c'est trop beau! Par contre, je sais pas à quoi ça sert le bac à sable, tu peux jamais rien faire dedans. Enfin, c'est dommage. Dommage. C'est juste pour faire joli en fait. Ce truc là, tu peux le tourner normalement, voilà. Mais ça, tu peux rien faire. Même si tu marches dedans, t'as pas la trace de tes pas, ça sert à rien. Voilà, elle est trop mignonne, voilà. T'as ma fontaine aux trois nichons. Aux deux, on avait compté. Le truc de police, personnellement, je l'aurais mis en bois. Enfin, bon, après, c'est chacun son choix. Là, j'étais déjà venue. Je suis perdue, les amis. Alors, attendez que je regarde le nom des habitants qu'il y a. Donc, il y a Jackie, Matsi. C'est qui ça, Matsi? Pierrot, Jeannot, Maude, Manfred, Bérénice, Cédric et Valet. Voilà. Alors que je regarde, alors la maison principale, parce que c'est... Hey, j'ai vraiment de la chance, les amis. La maison principale, c'est celle-là. Je vous jure que c'était pas voulu. Ah mon Dieu, je suis trop forte. Bon, on va pas tarder puisque l'extérieur, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Voilà, on va aller dans la maison. Alors oui, ça pique un petit peu les yeux, hein, mais voilà. Bon alors là, perso, c'est pas la peine. Alors là, j'ai envie de dire, c'est chelou. C'est vraiment chelou, t'as la tête de... Je sais pas combien de personnes, mais... Oh, je sais pas quoi, je sais pas combien de fois il y a cette photo là. C'était pas... comment il s'appelle? Ah mince, c'est quoi son nom? Je l'avais dans ma ville! S'il vous plaît, Manfred! Ah, en plus je l'ai lu tout à l'heure. Ah, Manfred. Devise, prudence et mère de sûreté. Ah, bien. Je peux pas voir le truc de celui-là, là? Ouais, Jeannot. Alors, 3 novembre, scorpion. Il est comme moi, ouais! Vive les scorpions! N'attaque jamais quelqu'un dans le dos, sauf s'il est plus fort que toi. Eh, ok, bon. Ok! Alors, les autres pièces, c'est quoi? Enfin, ça fait vraiment asiatique, hein, quand même. Je pense que c'est quand même un petit peu zen, hein. Waouh! Oh, c'est trop beau, j'adore! Alors bizarrement, je sais pas pourquoi, mais... Ah oui, c'est peut-être pour qu'on s'assoie, mais la personne n'a pas collé les trucs à la table. Bah écoute, ça donne un style. Moi, j'aime beaucoup quand c'est pas collé comme ça. Ça fait bien. Les œuvres d'art, carrément. La vache, avec le petit bat. Oh, c'est trop bien, le petit rocking chair devant le feu de cheminée. Oh là là, manque plus que la petite mamie en train de tricoter comme ça. Mamie Jordi au coin du feu. Oh, ça mérite une photo, ça. Oh, je vous jure. Attendez. Je vais la faire comme ça. Je sais pas s'il y a une petite émotion qui peut le faire. Bon, je fais comme ça, vas-y, hein. Voilà. Ah non, alors ça, moi je vous dis, vous me créez un hashtag. Vous me créez un hashtag pour cette scène. Voilà. C'est juste le petit défi que je vous lance, hein. Il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le délire. Lancez-moi un petit hashtag, voilà. Et taguez-moi sur Twitter, tout ce que vous voulez, avec ce hashtag. Je vais rigoler en voyant vos hashtags, je pense. Le petit bateau pirate, j'adore. Par contre, le globe terrestre, là, enfin, je sais que ça s'appelle pas comme ça, mais je sais que c'est un objet rare. Et comme une con, je l'ai vendu, du coup, je peux plus le ravoir. Donc c'est pour ça, si vous l'avez, ne le vendez pas, il est rare. Voilà. Allez, pièce suivante. Oh, la musique est tellement cute. Alors, soit c'est sur la télé, mais... Ah non, c'est ça. Ok. Alors là, je pense, Kéké des îles, donc là, il n'y a pas trop à tortiller du cul pour savoir que c'est une pièce hawaïenne, voilà. Donc, moi, en fait, je voulais faire pour Cartoon une pièce... Alors, je pense pas que je vais faire du rotin, je ne sais pas encore. Peut-être. Mais je voulais faire, du coup, la pièce Lilo et Stitch avec un peu cette ambiance-là.
Mais je ne sais pas du tout si je vais prendre du rotin au final. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très joli. Il a même retouché, ou elle, je ne sais pas, le petit cadre luxueux avec le paysage. Donc normalement, quand vous retouchez, vous avez trois options, c'est tout, hein. Voilà, je tiens à le dire. Ok, la télé, tout ça, c'est mignon. Ah mon Dieu, mais tu fais peur, toi. Bon, là non plus, hein, c'est pas de suspense. C'est asiatique. Alors par contre, va savoir si c'est chinois ou japonais, je ne sais pas. Voilà. Honte à moi, mais ça peut être n'importe lequel. Voilà, ça peut être n'importe lequel. Ça, c'est Romulus et Rémus, je crois, la statue, il me semble. Enfin, franchement, t'es vraiment dans l'ambiance. En plus, avec les trois oiseaux, là, c'est bon, hein. Par contre, si la personne voulait vraiment faire de l'asiatique, après, je pense que c'est pas forcément ce qu'elle voulait mettre, mais il y a un tableau comme ça avec une femme asiatique. Voilà. Alors, je pense qu'il aurait peut-être pas dû mettre ce tableau-là. Enfin bon, après, voilà, hein. Mais cette personne ne colle jamais les chaises et tout. C'est bien. Franchement, c'est pas con, hein. Au final, on peut s'asseoir parce qu'après, c'est bien d'avoir les chaises collées, mais tu peux pas passer parce que regarde, si tu te colles comme ça, tu ne peux pas t'asseoir. Donc, c'est pas bête. Ça, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. Le truc qu'il y a par terre, là, on dirait une équerre ou un compas, là. Un compas, ouais, avec des petits jetons, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Enfin, voilà. D'accord, on me voit pas, c'est bon, super discours, Jordi, vas-y, casse-toi. Je sais pas si vous allez avoir grand-chose, vu que c'est très très clair. Mais je pense quand même que vous verrez un minimum. Alors là, bah, c'est plutôt... Je sais pas, en fait. C'est tout et rien. T'as du cute, t'as... Ah, si! Ah bah, voyez! La personne a collé les sièges, puisqu'on peut s'asseoir, en fait, voilà, sur le côté. Ah, intelligent. Ouais, bah, on dirait un spa, ou je sais pas, c'est... Non, pas un spa, enfin, je dis ça parce que je vois le lit comme ça, mais... Je ne sais pas à quoi ça correspond. Une chambre, ouais, un truc, je sais pas. Je ne sais pas, ça peut être, voilà, un salon, aucune idée. Ou une suite, tout simplement. Mais il n'y a pas de cuisine. Enfin, bon, voilà. On va aller à la dernière pièce, déjà. Eh ben... Ok, Là aussi, t'es dans l'ambiance des îles. Oh, j'adore. C'est tellement bien fait. J'adore. Oh, c'est magnifique. Moi aussi, je voulais faire... Alors, j'ai pas encore décidé, mais si j'avais pu faire sur Cartoon une pièce pour, par exemple, je sais pas, Pirates des Caraïbes ou... Parce que je sais pas, en fait, y a pas de dessin animé pirate à part ça. La planète au trésor, si. Enfin, c'est des pirates de l'air, mais enfin bon, c'est pareil. Enfin, pirates de l'espace plutôt. Mais peut-être que j'aurais fait avec ce mur-là, ou voilà. Mais là, je pense que c'est plutôt pirate, pirate des mers. Voilà. Bah, je vais vous laisser avec la jukebox là. Alors, attendez, c'était quoi la musique? Salsa de Kéké, voilà. Avec la petite salsa, je vais peut-être faire une petite danse des fesses. Voilà. On est fou. Donc, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Voilà, en fait, on a passé beaucoup plus de temps dans la maison que dehors, mais j'ai pas voulu prendre trop de temps dehors, puisque voilà, sinon, si je m'étais trop attardée, enfin, parce que moi, dès que je regarde une belle ville comme ça, je passe 50 ans à la visiter. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller la visiter, hein, voilà, c'est ouvert. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Bye bye! Tu as aimé la vidéo? Tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi suivre mon actualité en me suivant sur les réseaux sociaux. À bientôt. Ah, ne clique pas sur les boutons. Ce sont des faux.